Avec les enfants de l'école biblique, nous allons poursuivre notre parcours de la Genèse. Après la création, nous allons nous intéresser tout particulièrement à cette fratrie composée de Caïn et Abel. Et voici quelques versets bibliques qui viennent clore ce passage, quelques versets bibliques que nous avons parfois l'habitude de sauter dans notre lecture continue de la Genèse. Ce sont les versets 17 à 26 du chapitre 4 du livre de la Genèse qui indiquent la postérité, les descendants de Caïn. Voici donc ce que nous dit ce texte. Caïn connut sa femme. Elle devint enceinte et accoucha d'Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. À Enoch naquit Irad. Irad engendra Mehuel. Mehuel engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, appelées l'une Ada et la seconde Tsia. Ada accoucha de Yabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, une flûte. Tila, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsia, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel, qui avait été tué par Caïn. À Seth, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Au cantique 250, nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 et nous nous levons pour prier Dieu par notre chant. Amen.
Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portée à sa plénitude. Chers frères et sœurs, pour vous rappeler juste quelques éléments de l'histoire d'Abel et Caïn, Adam et Ève, qui selon la narration biblique sont les deux premiers personnages qui inaugurent l'histoire, ils ont deux enfants, Abel et Caïn va tuer son frère. Autrement dit, un quart de l'humanité décimée en une seule fois, c'est un peu comme si nous perdions aujourd'hui tous les enfants de l'école biblique. J'espère que ce n'est pas prémonitoire. Ça laisse un creux quand même. Et c'est avec ce récit que s'achève cette histoire d'Abel et Caïn. Et ce passage biblique s'achève sur ce verset que vous avez entendu, un verset qui parle de l'entrée de Dieu dans l'histoire des hommes. Jusque-là, Dieu avait parlé, certes, mais cette fois, c'est l'homme qui parle à Dieu. Et c'est tout à fait nouveau dans la narration biblique. Le dernier verset indique qu'à la naissance d'Enoch, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et la question qui se pose, c'est comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à faire de la religion? C'est la question que nous pose ce texte ce matin. Et tout commence par une énigme policière. Je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir à cette question. Qui Lamech a-t-il tué? Vous avez entendu que cet homme avoue à ses deux femmes avoir tué quelqu'un. Mais qui a-t-il pu tuer? Si nous nous en tenons au récit biblique, souvenons-nous qu'à cette époque, il n'y a pas 6 milliards de personnes qui peuplent la terre. Il y a Adam et Ève, il y a Caïn et ses descendants dont nous avons entendu l'énumération. Il y a parmi eux Lamech, avec ses deux femmes, ses trois fils et sa fille. Autrement dit, une double poignée de personnes. Alors là, la question, ce n'est pas de savoir qui est le meurtrier, c'est de savoir qui est la victime. Le texte biblique ne dit pas vraiment où se trouve le corps et de qui s'agit-il. C'est une sorte de murder party à l'envers. Avez-vous une idée de qui peut être la victime ? D'autant qu'il y a non seulement un homme, mais aussi un enfant qui a été tué. Alors,
Comme dans toute bonne enquête policière, il faut se rendre sur le lieu du crime et observer les alentours. Autour de ce verset biblique, il y a tout d'abord la mention des deux femmes de la Mecque. Évidemment, si la Mecque s'adresse à ces deux femmes, c'est qu'elles sont encore en vie, donc elles ne peuvent pas être les victimes. Et puis, c'est un homme qui l'a tué et pas une femme. Donc, allons voir de l'autre côté du verset biblique. Et là, nous découvrons que la Mecque met ce meurtre en relation avec Caïn et avec ce cycle de la vengeance qui avait été inauguré au moment où Caïn avait tué son frère Abel. Vous avez peut-être en mémoire cette idée selon laquelle toute personne qui attenterait à la vie de Caïn provoquerait cette vengeance en contrepartie. Eh bien, nous avons dans cet épisode une sorte de réminiscence, un rappel de ce cycle de la vengeance, de ces sept fois. Mais peut-être qu'il est utile de suivre le commentaire de Rashi, un commentateur juif, qui nous aide à mieux comprendre ce que ce texte biblique peut signifier. En effet, dans l'épisode précédent, nous avons l'impression que si quelqu'un touche à la vie de Caïn, il sera vengé sept fois, autrement dit, sept morts pour une victime. Mais là, il n'y a qu'un seul homme qui a été tué, donc on n'est pas dans le bon rapport. Et Rashi propose de comprendre en fait le verset de la Genèse autrement, de couper la phrase en deux pour lui donner plus de clarté. Et au lieu de lire la phrase d'un seul tenant, il propose de la couper en deux temps, ce qui est tout à fait envisageable compte tenu du fait que le texte hébreu, dans un premier temps, n'avait aucune ponctuation. La ponctuation est arrivée au Moyen-Âge, et donc c'est nous qui avons un peu imposé au texte un découpage particulier. Et donc Rashi nous permet de ne pas tenir compte de ce découpage qui figure aujourd'hui encore dans nos traductions, et de trouver peut-être l'intention originelle du rédacteur. Cela donnerait « Malheur à celui qui tuera Caïn », première partie de la phrase. Et deuxième partie de la phrase, « Il sera vengé à la septième », sous-entendu « septième génération ». Non pas « vengé sept fois », mais « vengé à la septième », Shebataïm. Et vous voyez, cela éclaire notre texte d'un nouveau jour. Parce que je vous ai rappelé que Lamech était la sixième génération, et donc son fils, ses fils, sont la septième génération. Et cela expliquerait peut-être effectivement que c'est au moment où la septième génération arrive que Caïn est mis à mort, comme une sorte de représailles à ce meurtre originel. Peut-être est-ce une manière de nous faire comprendre que le texte biblique, suite à cette violence, suite à ce crime, a essayé de mettre un peu de temps, le temps de la repentance, le temps du pardon, pour voir ce qui allait arriver, pour laisser à l'histoire la possibilité de faire autre chose que de se venger. Et nous voyons avec ce texte biblique qu'en fait, ce qui était une sorte de prédiction se réalise. Notre texte biblique est l'aveu de Lamech, devient beaucoup plus clair. Nous comprenons que la victime, c'est Caïn. Caïn. Du moins, pour ce qui concerne l'homme. Mais l'enfant, il y a aussi un enfant qui a été tué. L'enfant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a en fait les enfants de Lamech. Les enfants de Lamech sont justement la septième génération. C'est à eux qu'appartient la possibilité de la vengeance. Et le Midrash, qui est un commentaire juif des premiers livres de la Bible hébraïque, la Torah, reconstitue l'épisode de la manière suivante. Et je trouve cela assez saisissant. Le Midrash raconte que Lamech avait l'habitude d'aller à la chasse et qu'il y allait avec son fils, Tubal-Caïn, celui qui faisait des outils en fer et en bronze. Autrement dit, celui qui donnait la possibilité à Lamech de pouvoir tuer, d'avoir les armes pour cela. Le Midrash ajoute même que Lamech était devenu aveugle à cause de l'âge, ce qui signifie que son fils le guidait. Et un jour qu'ils étaient
à la chasse, Tubal Cain, qui porte justement le nom de l'aïeul en question, voit un buisson bouger. Il avertit son père, qui lance une arme sur ce buisson et qui tue l'être qui se trouvait dans le buisson. Et cet être, c'était Cain. Cain était dans le buisson, Cain meurt à cause de ce que Tubal Cain a annoncé à son père. Autrement dit, c'est bien la 7e génération qui tue Cain. Fou de douleur, Lamech tue son fils, et l'enfant est effectivement mentionné dans l'aveu. Fou de douleur d'avoir tué Cain, Lamech tue son fils. Le Midrash ajoute même quelques précisions disant qu'il tord ses mains de douleur et dans les mains il y a la tête de son fils. Il n'y a pas qu'à la télévision qu'il y a des détails sordides. Ce texte biblique indique que la branche de Cain n'arrive pas à se sortir de la violence du départ. Elle est empêtrée dans ce cycle infernal de la violence mimétique, de la vengeance qui va croissant. 7 fois, puis 77 fois, dit Lamech. Il y a une sorte de fatalité qui s'abat de génération en génération, une sorte de vendetta à laquelle on ne peut pas échapper, en dépit du temps qui est offert. C'est toujours la même scène de violence qui se reproduit. Cela fait-il civilisation ? C'est la question que se pose le texte biblique, en fait. Et c'est ce que récuse le texte biblique. On ne fait pas civilisation en assoyant une fondation sur un meurtre originel. Contrairement à bien d'autres mythologies qui font du meurtre originel, et notamment du meurtre entre frères, le fondement même de la civilisation. S'il y a eu progrès au cours des générations, c'est qu'une forme de moralité s'est installée. Nous allons voir cela. Désormais, Lamech ne s'étonne plus, comme son aïeul Cain, qu'on lui demande des comptes après le meurtre. Cain s'était récusé en disant « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» quand Dieu lui avait demandé où était son frère Abel. Sous-entendu, ce n'est pas mes affaires. Eh bien ici, Lamech de lui-même se sent responsable, responsable de ce qu'il a fait. Cela indique qu'il a bien eu un changement entre l'attitude de Cain et l'attitude de Lamech. Et c'est peut-être le signe que l'homme, à cette époque, est entré dans l'ère de la civilisation. Voyons cela. Avant Cain, il y a donc Adam. Adam, c'est une façon de nommer l'homme en hébreu. Adam, c'est l'homme issu de Adama, la terre. Autrement dit, c'est l'homme naturel. Et nous le voyons avec ce récit qui le met en scène avec Ève. L'homme, Adam, est celui qui suit ses pulsions, qui suit ses impulsions. Il voit quelque chose qui est plutôt agréable à manger, il le mange, même s'il aurait mieux fait de s'en abstenir. C'est l'homme qui se nourrit selon son instinct. C'est le principe de plaisir qui guide ses choix. Le philosophe Søren Kierkegaard parlerait pour cet homme-là du stade esthétique. C'est l'homme sans précepte moral qui se fie à ses pulsions. Puis, l'homme est devenu ish, autre terme hébreu pour désigner l'homme. L'homme devient ish quand il rencontre isha, la femme. Et ces deux personnes constituent une première phase de socialisation. La présence de l'autre m'oblige. Le regard de l'autre fait que je ne me laisse plus aller à mes seules impulsions. C'est tout le sens de l'anneau de Gyges, cet anneau d'invisibilité dont parle Platon. Dès que je deviens invisible, je cesse d'être un être moral parce que le regard de l'autre ne m'oblige plus. En revanche, je ne peux pas faire n'importe quoi devant vous, à condition d'être un être moral. Eh bien, l'accès de l'homme à cette nouvelle étape, c'est l'entrée dans la culture. C'est l'homme de l'alliance, de la morale. Si Cain n'était pas encore un être moral au moment de son conflit avec Abel, Lamech, lui, est un être moral qui a conscience de sa faute. Autrement dit, il a intégré la dimension de la loi. Il sait mesurer la distance entre ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il fait effectivement. D'ailleurs, les fils de Lamech représentent pour le rédacteur biblique les figures de la civilisation.
Bien avant Georges Dumézil, nous avons là les trois fonctions de la civilisation qui sont décrites. L'un développe le pâturage, c'est la fonction du berger, de l'agriculteur. L'autre développe la musique, ce qui est le domaine de la culture, le domaine des poètes. Enfin, le troisième développe l'art de la guerre en produisant ce qui peut tenir lieu d'armes. Voilà les trois fonctions de base pour fonder une civilisation, selon ce rédacteur biblique. Georges Dumézil, en observant les civilisations indo-européennes, a à peu près cette classification, si ce n'est qu'il ne parle pas de la culture des poètes, il parle des prêtres et du rapport au sacré. Mais je crois que c'est parce que Georges Dumézil est tout pétri de la religiosité du XXe siècle. Les rédacteurs bibliques sont beaucoup moins religieux que nous le sommes. Et pour eux, le poète, c'est celui qui touche au sacré. C'est celui qui rend disponible ce qu'il y a de plus sacré dans l'humanité. Le poète, c'est celui qui arrive à révéler l'essence même de l'homme, ce que le sacré essaie de pouvoir exprimer à travers des rites, à travers des textes symboliques. Les poètes, ne sont-ils pas les voleurs du feu sacré pour rendre cette chaleur spirituelle disponible à tout un chacun ? Ainsi, je pense que le rédacteur biblique n'a pas tort d'attribuer à l'artiste cette part qui consiste à révéler au monde les forces qui sont à l'œuvre dans l'histoire. Forces que nos sens ne parviennent pas toujours à saisir sans leur aide. Je récapitule. L'homme, Adam, c'est le stade esthétique, principe du plaisir, l'homme naturel, Adam. Aujourd'hui encore, on parle des fils d'Adam en Israël pour désigner les êtres vivants que sont les hommes. La Mecque, c'est le deuxième stade, selon Kierkegaard, c'est le stade moral, Ish. Ish qui fait face à Isha, par exemple. Et c'est avec Enosh que nous atteignons le troisième stade, le stade religieux, selon le terme de Kierkegaard. Enosh, c'est l'homme spirituel. Et Enosh, c'est aussi en hébreu une manière de désigner l'homme. Enosh, Anashim. Eh bien, cet homme spirituel, c'est celui qui fait appel à Dieu. C'est celui qui ne se contente pas simplement de ses pulsions, c'est celui qui ne se contente pas simplement de la loi des hommes, c'est celui qui fait appel à Dieu. Jamais Adam n'avait fait appel à Dieu, ni pour lui demander s'il était vraiment possible de manger du fruit qu'il avait sous les yeux, ni pour quoi que ce soit d'autre. Cain, un peu à la manière de son père, avait plutôt fui l'Éternel. Il n'avait en tout cas pas cherché à entamer quelques dialogues avec lui. Lamech, quant à lui, s'en remet à la loi, au code moral. Enosh, à côté d'Adam et de Ish, est celui qui atteint l'étape suivante, faire appel à Dieu. Et c'est cela qui fait d'un être un être spirituel. C'est cela qui ouvre la voie de la religion. Et c'est cela que nous devons observer maintenant. Ce que nous dit ce texte biblique, c'est que cet être spirituel n'est pas descendant de Cain. C'est une nouvelle descendance d'Adam et Ève. Une nouvelle semence, dit le texte. Si la civilisation est capable de se construire sur la violence initiale, certains diraient même que la civilisation se nourrit de la violence, eh bien il a fallu en passer par une autre voie pour atteindre le degré supplémentaire. Mort et résurrection. Voilà ce que dit ce texte. Voilà ce que dit ce texte qui pose Seth comme un être levé à la place d'Abel. Abel qui a été porté en terre comme cette graine que l'on plante et qui surgit, métamorphosée en Seth. Cela n'est qu'une parabole, cela n'est qu'une métaphore. Mais cela dit bien ce processus de mort et de résurrection. On ne peut pas fonder une civilisation spirituelle simplement sur les décombres de la civilisation. Il faut qu'il y ait une métamorphose. Abel est mort, Seth a été suscité pour forger une nouvelle lignée, une nouvelle civilisation capable de dépasser le stade de la violence latente. Oui,
c'est bien de nouvelles civilisations dont nous pouvons parler. Non pas ce que nous avons fait prendre pour de grandes et de belles civilisations et qui ne sont en fait que des sociétés transitoires, appelées à disparaître et à s'effondrer un jour ou l'autre. Ici, il est question de la civilisation au sens le plus accompli qui soit, au sens le plus inconditionnel, qui ne doit rien à quelque intérêt circonstanciel, mais qui s'oriente intégralement vers la recherche du bien, du bon, du beau, pour le dire dans des catégories non bibliques. Et si nous regardons de près le texte hébreu, il y a une chose très intéressante à observer. Nous allons voir quelque chose que les traductions passent sous silence, mais nous ne saurions leur en vouloir. Elles ne peuvent pas restituer l'intégralité de l'épaisseur du texte. Car on ne s'est pas contenté de commencer à invoquer le nom de l'Éternel dans ce texte. Le verbe hébreu, c'est « halal », qui signifie « profaner ». L'invocation du nom de l'Éternel a commencé par une profanation. On n'a pas commencé à invoquer le nom de l'Éternel. On a profané et invoqué le nom de l'Éternel. Ce dernier verset qui ouvre les voies de la religiosité passe donc par un acte de profanation. C'est alors qu'on profana pour invoquer le nom de l'Éternel, pourrions-nous traduire. C'est pour cela que je disais que les rédacteurs bibliques sont souvent moins religieux que nous le sommes. La religion biblique, cette spiritualité qui sort des textes bibliques, est à la fois profanation et invocation. C'est le doute et la foi. C'est la réforme et l'adhésion. C'est la rupture et la confiance. C'est la démythologisation et la prédication. C'est casser des idoles et rédiger des professions de foi. C'est ne pas se tromper d'objet d'adoration. C'est réenchanter le monde, réenchanter la vie, sans réenchanter le décor qui est autour et qui ne doit pas être sacralisé. Cette voie qui ouvre la religion, notons-le bien, ne se fait pas par le détour d'une théophanie. Dieu n'apparaît pas à Énoch pour lui dire ce que doit être la religion, ce que doit être la théologie. Il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas de dialogue. Aucune apparition de l'Éternel à Seth ou à Énoch pour l'encourager dans ce sens. Est-ce Adam et Ève qui ont transmis l'information directement au moment de la catéchèse de leur enfant, car les parents aussi sont les catéchètes de leurs parents, de leurs enfants? L'Éternel désigne-t-il autre chose qu'un personnage extraordinaire, capable d'informer le monde sur le bien et sur le mal, sur ce qu'il est conseillé de faire ou de ne pas faire? En tous les cas, Énoch commence l'histoire de l'humanité véritable. Énoch désigne cette humanité accomplie, en profanant les images de Dieu qui circulaient à l'époque. Peut-être même a-t-il remis en question les images de Dieu transmises par ses parents et par ses grands-parents. Peut-être s'est-il permis de penser par lui-même et de prendre le parti de s'adresser au divin directement, sans intermédiaire. Peut-être Énoch est-il le premier protestant, le premier parpaillot à tutoyer le divin, sans passer par l'intermédiaire des prêtres, du clergé, de l'Église, de la tradition, directement, inconditionnellement, dans un face-à-face terrible et tragique. Peut-être Énoch a-t-il décidé de prendre sur lui cette question de l'Éternel et de se débrouiller personnellement avec ce surplus d'existence que nous appelons la spiritualité et qui est ici une manière de fonder notre vie sur autre chose que la violence et la vengeance. La spiritualité d'Enoch tient peut-être à la découverte de son histoire familiale, qui est une gestion de la violence latente, mais aussi de la promesse de la vie en plénitude. Peut-être Enoch s'est-il assis pour interroger son histoire familiale et discerner dans tous ses méandres quelque chose qui était de l'ordre du surgissement divin, quelque chose qui était de l'ordre de l'impulsion du divin, quelque chose qui était de l'ordre du surnaturel, quelque chose qui n'allait pas de soi et qui était la trace de Dieu. En apprenant, selon le mot de sa grand-mère Ève,
que c'est Dieu qui a mis une postérité à la place d'Abel, que tu as Caïn. Enoch découvre peut-être qu'il y a dans la vie de la place pour injecter autre chose que de la violence et de la vengeance. Peut-être est-ce le récit familial qui permet à Enoch de prendre conscience qu'il y a dans notre vie autre chose que la seule dimension matérielle et la seule dimension morale. De ce mythe biblique, je dirais que nous recevons cette leçon de théologie qui pose que le début de l'histoire de Dieu dans l'histoire des hommes coïncide avec le début de l'histoire de l'homme enfin humain. L'invention de Dieu coïncide avec l'invention de l'homme humain. C'est lorsqu'il invoque l'Éternel, ce qui, en hébreu, est un verbe, haya conjugué au futur, conjugué à l'inaccompli, à ce qui est toujours en train d'advenir. Et c'est un verbe justement qui dit « advenir ». Eh bien peut-être que c'est lorsqu'il invoque l'Éternel qui désigne la possibilité que quelque chose ou quelqu'un advienne, que l'homme fait mieux que d'être un animal doué de raison. Il atteint ce stade religieux où sa dimension spirituelle le rend humain, c'est-à-dire capable de s'adresser à quelqu'un comme à un autre semblable, sans désirer sa disparition parce que sa présence le gênerait. Au contraire, le stade spirituel nous permet de découvrir toutes ces interactions positives qui sont possibles lorsque quelqu'un se tient là, face à moi. Mais cela ne se transmet pas génétiquement, dit le texte biblique. Chaque nouvelle génération qui vient au monde est susceptible d'en passer par ce cheminement d'humanisation, ou pas. Chaque génération qui vient peut faire cette catéchise particulière s'il veut s'arracher au stade où il est pour accéder au stade suivant et finalement atteindre cette félicité dont parle la Bible. Amen.